ma bague. Allez, merci à vous tous. Big up, everybody. Welcome to Clashology. Don Balo, il fait le roughneck, mais on va voir ça après. On va voir ça après. Big up party time. Bass Culture, Rough Lion est dans la place. Et on a l'original party time qui assure ce live. Merci beaucoup à Mathia, Chica et toute la famille. Big up Polak, l'original Don. Allez, c'est parti. Allez, tous ceux qui se connectent sur ce live. Alors, attends, le live. Party time. Est-ce qu'on est en live? Yeah! All right. Alors, franchement, si vous êtes prêts pour cette demi-finale entre Bass Culture et Rough Lion, vous allez partager ce live. Me, I go do that right now. Clashology. Et restez connectés, hein, parce qu'à la fin de ce live, il va se passer un truc hot topic. Croyez-moi. Donc, restez connectés, bougez pas, incluant la publication d'origine. Allez, on partage ça sur Clashology. Yeah! Roughneck! Tout bon, baclat! Hot, 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 hot! La demi-finale! La demi-finale! La demi-finale! Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir là parce qu'à la fin du live, si tu continues comme ça, gagne ça. À la fin du live, devant tout le monde, je vais te déchirer ta gueule. Donc, je te dis tout de suite. Reste là! Il va y avoir du fight. Là, il y a le clash et après, il y a le clash entre moi et Balo. Ah! Hot! Hot! Bon, Balo, là, on a du monde. Tout le monde est là pour le fight. Ça va être du hot topic. Party time est connecté. Clashology est connecté. Rough Lion est connecté. Bass Culture est connecté. Hot topic. Allez, je vais aller sur le groupe. Regardez ce que je fais. Ben, 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 Clashology. Yeah, yeah, yeah. Allez, voilà. Épinglé à la une. Vous êtes déjà 40 personnes sur ce live. On est bien dimanche. Vous le savez, c'est l'original 45 to kill. Big up Flo Cabo. Big up à toute l'équipe de Clashology. On a du lourd. Je ne vous ai pas tout dit. Changement de lunettes. En cœur. Hein? C'est un clash, mais ça va être hard. Allez. Alors, laisse-moi voir qui est sur ce chat. Wari va sur party time. Connecte-toi on the live. Hey, bing, 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 bing. Allez, Team Peck, just big up yourself. J'en fous partout, just big up yourself. Julie, you just big up yourself. Rico sur stéréo, you just big up yourself. Everybody coming, forwarding to the Clashology thing. Hey, P.U. Prophecy, big up yourself. Nadine Gista, you just big up yourself. Matt Kud, you Jawed family, you just big up yourself. Clashology, it's Clashology. Coming, everybody coming. Forwarding to the Clashology thing. Ah, toujours prêt. Toujours prêt. Même last minute. N'importe quelle condition. On est là. On est là, contrairement à certains. Nous, on est là. Toujours. Peu importe ce qui se passe. OK? Gratuitement, pour vous. Enjoy the Sound Clash Culture. Tous ensemble, le dimanche, en famille. On va kiffer un bon clash de 45. Et notez bien les noms des absents. Et on va bien voir qui sont les traîtres dans cette culture. Tu sais, il y a plein de sons, ils font des dubplates. Ils veulent s'imposer comme les number one sons en France parce qu'ils ont des big box de dubplates. Mais en réalité, ils ne font rien. Ils sont absents total. Hein? C'est vrai ou pas? Ou alors, certains de ces sons français, vous savez ce qu'ils font? Hein? Au lieu de travailler avec Party Time ou Clashology ou même Reggae.fr ou même d'autres, ils préfèrent aller travailler à l'étranger. Et ils ne donnent rien à la France. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Hein? Hein? Hé, hey, vous vous rappelez le ministère Hammer? Trahison au sein de notre population. Être ou n'être traite est une malédiction. Bon, allez, merci à vous tous. 9-5 dans la place, 9-3, 9-2, 74, 72. Bob! Hey, 45 dans la place, 33, oh, 13 Marseille, big up yourself, big up everybody, 59 les ch'tis, aïe, 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 hot topic, Rough Lion, best culture. Voilà des sons qui s'investissent dans la culture clash, avec des 45, big up Big Aranx, big up yourself. Et on a des sons qui sont armés de dubplates, ils ont des dubplates, ils savent même plus quoi en faire. Ils ont les dubplates, ils sont là. Hey, un dubplate pour toi, regarde, un dubplate. Et ils en ont partout. Et ils ne supportent rien. Et ils ne font aucun travail. Et ils s'assoient sur leurs acquis
pensant que nous, Clashologie, on va leur sucer la bite. Alors moi, je passe un message à tous les sons qui se croient number one là, sur la scène des Clash au niveau de plate. T'as vu? Donc ça vaut pour Guiding Star, Ride Divide, etc. Tous ces sons-là qui se la pètent, mais qui ne font rien. Et on les voit nulle part. Et c'est dérangeant. Il n'y a pas que Marcus Kai, les gars. Hein? Il y a la France aussi, les gars. Représentez votre pays, investissez-vous pour l'autre coach à nous. Vous êtes où? Ouais, non, j'ai pas le temps, j'ai un clash en Angleterre. On n'en a rien à branler parce que moi, je ne vais pas payer l'Eurostar, plus l'hôtel, plus l'entrée du club pour venir voir des sons qui clashent en Angleterre. Non. Non, les gars. Surtout, à la limite, je l'aurais fait. Mais si vous vous investissez en France. Et c'est ça qui me dérange. Voilà, donc le message est passé. Allez, big up à vous tous. Joey, just big up yourself. Hubert, just big up yourself. Jules, just big up yourself. Laetitia, you just big up yourself. Julien, you just big up yourself. Midafaya, you just big up yourself. Julia, you just big up yourself. Junior Box, you just big up yourself. Fouki, you just big up yourself. Hélène, you just big up yourself. Coming, everybody, coming. Voilà. Et n'hésitez pas, tous les sons que je vais vanner là, parce que là, c'est l'interlude, il est quelle heure? Attends. Il est 15h08. J'aimerais vous souhaiter à tous une excellente année 2022, malgré tout ce qui se passe, le Covid et toutes ces merdes. Bonne santé à vous et votre famille. Bonne santé à vos enfants. Bonne santé aux gens que vous aimez. Je vous souhaite une excellente année. Que cette année soit bonne, pleine d'amour, pleine de projets et pleine de réussite. Je vous le souhaite de la fond du cœur et de la part de toute l'équipe de Clashologie et de Party Time. Big up à vous tous et merci d'être là. Ah, ah. Ah, on va parler clash un petit peu là, parce qu'il y a des choses à dire. Et je suis hyper vénère. Franchement, je suis hyper vénère. Jean-Baptiste, just big up yourself. Laurent, you just big up yourself. Selecta, Ichi, you just big up yourself. Johan, you just big up yourself. Raoul, you just big up yourself. Coming, everybody, coming. Forwarding to the clash of the thing. Ah, changement de lunettes. Beaucoup me demandent qu'est-ce que c'est que ces lunettes de bisounours en forme de cœur. J'avais envie de donner un petit peu d'amour là avant ce clash, tu vois, dans cette société difficile, tu vois, hein, où les sons de système français qui occupent la place, les sons de système français qui ont le titre de number one, tu vois, hein, on pourrait dire Guiding Star, on pourrait dire Eric Roux, on pourrait dire Soul Stereo, on pourrait dire tout ça, ils sont absents total. Quand il s'agit d'aller pactiser avec l'étranger, il n'y a pas de souci. Mais jamais ils me disent, viens, Wari, t'as Clashologie, viens, on fait ça. Non, rien. Rien. Même certains aujourd'hui me boycottent. Certains aujourd'hui me mettent des bâtons dans les roues. Des sondes que je connais par cœur. Des sondes que j'ai vues naître. Hein? Ils sont où? Hein? Jacob, c'est inadmissible. Inadmissible. Ridey Vibes, ils vont nous envoyer des menaces de mort. Et on est toujours là, on est là, on se dit. Il n'y a rien. Vous entendez Ballot derrière? Mais bon, Ballot n'est pas décisionnel dans le son, c'est Jacob qui prend la décision. Donc lui, je ne vais pas lui parler. Moi, je parle au boss des sons. Et moi, je dis que Mathias de Ridey Vibes, aussi bien Jacob, tu vois. Mais on pourrait dire aussi Rico, tu es mon frère. Bon, Rico, tu me connais. Franchement, sous le stéréo. Je vous kiffe, hein, mais vous êtes absent. Ça va pas. Ça va pas du tout. On croirait que les clashs en France, ça n'existe pas. On peut pas avoir un clash fun. Tu vois? On peut avoir que des clashs stress, vote, trophée, salle, sono, budget. Non. C'est pas possible. Et quand tu vois ce que tu peux faire sur Internet, il y en a beaucoup qui parlent d'Internet. Ils disent, ouais, mais Internet, tu sais, c'est pas le réel. Ben on est au courant, c'est virtuel. On n'est pas débile. On sait très bien ce qu'on fait. D'accord? Mais le retour à la vie d'avant le Covid, c'est pas pour demain. Ça, je vous le garantis. D'accord? Alors, au lieu de sucer la bite des étrangers, d'accord? Je vous le dis en toute honnêteté, les gars. Au lieu d'aller toujours vers Dubfeedup UK, War Report, etc., d'aller faire des lives avec Coalition, d'aller faire des trucs comme ça, investez. Hey, nous, on a besoin de vous en France. D'accord? Votre public, il est en France. Quand vous allez jouer en France,
quand vous allez clash en France, les Canadiens, ils ne vont pas prendre l'avion pour venir vous voir. Les Américains, ils ne vont pas prendre l'avion pour venir vous voir. Les Anglais, ils ne vont pas prendre l'Eurostar pour venir vous voir. Le public qui risque de venir vous voir est en France. Il est là, sur votre terrain, et vous êtes absent total. Absent total. Absent total. Hein? Ridey Vibes, menace de mort pour Guiding Star, absent total. Absent total. 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 Non, non, c'est vrai. Et en plus, ça, je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Je vais vous dire un truc, c'est un truc de ouf dans les clashs. Et c'est Mr. War Clashology qui parle. Et tu sais quoi? Ils ont beau faire les bouffons avec leur doublate, ok? Ils connaissent pas les clashs comme moi. Ça sert à rien d'essayer de batailler. Et j'ai le meilleur consultant au monde, Dan Polak, les gars, shot. Donc ça sert à rien de batailler là-dessus. Moi, je vous dis tout de suite, les gars. Certes, vous avez beaucoup de doublate, ok? Mais vos doublate, elles servent à rien. D'accord? Parce que vous faites un demi-clash tous les 4 ans. Pouh! Tous les 4 ans, un demi-clash. C'est de la merde. C'est de la merde. Regardez par exemple. Alors, on va prendre un sonde que je connais bien, Guiding Star, puisque j'en ai fait partie, tu vois. Bon. Donc, ils nous disent, non, Ridey Vibes, tu sais, c'est pas exactement ça. Bon, ok. Ok, ok, ok. Là, du coup, ils vont aller clash. Platinum Cartel en Angleterre, la revanche. J'en ai rien à branler. Tu sais quoi? Je vais faire un sondage. Bougez pas, je vais faire un sondage en live. Qui c'est qui est prêt à prendre l'Eurostar, à payer l'Eurostar, payer l'hôtel, payer l'entrée de la danse pour aller voir Guiding Star en Angleterre, Clash Platinum Cartel? Tous ceux qui sont prêts à le faire, vous tapez numéro 1. Allez, donnez-moi l'heure. Je vais voir. Je vais faire un... Allez, attends, bouge pas. Je vais faire un sondage. Qui est prêt pour aller voir Guiding Star, Clash, un son dont on n'a jamais entendu parler, qui est un son de merde. Même en Angleterre, ils ne le connaissent pas. Platinum Cartel, on n'en a rien à foutre. Le nom, c'est de la merde. Le son, c'est de la merde. Et j'ai pas peur de le dire. Mais qui? Mais attends, entre Ridey Vibes, Guiding Star à Paris, et Guiding Star versus Platinum Cartel en Angleterre, qu'est-ce que vous allez choisir dans le chat? Dites-moi la vérité. Hé, hey, Clashologiste, dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Là, ce soir, hey, aujourd'hui, je vais tout vous dire. Ok? D'accord? Parce qu'il y a même certains supporters, des ultras de Guiding Star, ils sont passés maintenant chez Bassa Jam. C'est vrai ce que je vous dis. Il y avait des fanatiques de Guiding Star, les ultras de Guiding Star. D'accord? Notamment Julien Rocheleux, qui est dans le chat. Et maintenant, c'est un fan de Bassa Jam. Alors, comment on va concilier ça? Comment on va arriver à faire une logique intellectuel avec tout ça? Voilà. Moi, je ne vais pas prendre l'Eurostar et je ne vais pas booker l'hôtel pour voir Guiding Star qui clash Platinum Cartel. Mais par contre, si Guiding Star clash Ridey Vibes à Paname ou en France, je vais acheter 2 tickets, voire 3. Allez! Mais nous, on s'en bat les couilles de toi. Bon! Clashologie, Mr. War! Bing! Hein? T'es pas invité, Balo, ferme-la. C'est mon show. Je vais tout dire sur vous. Parce que vous faites de la merde. Regarde, Julien Rocheleux, il me dit, regardez bien. Attends, elle est où la caméra? Bouge pas. Regardez bien ce que me dit Julien Rocheleux. Regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Attendez, bougez pas. Tac. Allez, 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 Julien Rocheleux. Julien Rocheleux me dit, t'es con. Julien, la dernière fois que j'ai été sur un live de Bassa Jam, je te jure, hein, le nombre de flammes, de love et de forward que tu as mis, je t'ai jamais vu faire ça sur un live de Guiding Star. C'est vrai, frère. Je te le dis en toute honnêteté. Mais moi, ça ne me dérange pas que tu sois fan de Bassa Jam. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut juste assumer. Il faut que tu le dises à Jacob. Jacob, il va être vert. Hat! Hat! Voilà. Aujourd'hui, pour avoir des clashs en France, hein, je suis obligé d'aller chercher des sons en Belgique. Merci, Matt Koudiouf, Jawed. Vous le savez. Vous le savez très bien. Je suis obligé de faire ça, tu vois. Tu vois. Même des sons que j'ai construits, tu vois. Même des sons auxquels j'ai participé, ils vont être inactifs. Inactifs. D'accord? Alors, Ridey Vibes déclare la guerre à Guiding Star sur Internet. Guiding Star fait genre de rien. Et ils vont clash un sonde Platinum Cartel en Angleterre. Et on n'en a rien à foutre. Tu n'es jamais venu. Viens t'asseoir. Si tu veux parler, tu viens t'asseoir. On va avoir un débat, toi, moi. Viens t'asseoir là. Voilà, viens t'asseoir ici. Et là, je vous dis, c'est chaud.
Mais alors, avant que tu parles, regardez sa gueule. Regardez la gueule de Gunning Star. Regardez bien. Ça, là, c'est tout l'amour qu'il porte à Ray Divide. Regardez cette gueule. Ça va être chaud. Mais avant, je vais faire une pub. Ça te dérange pas? Alors, on a des lots à faire gagner pour cette demi-finale, l'original. Et Best Culture versus Loan Flyon. Alors, on a décidé que la chronologie, on lui a dit, ouais, vous pensez pas aux meufs, vous faites jamais rien pour les meufs. Hein? C'est bon ou pas? Vous avez vu la gueule qu'il fait Gunning Star? Il fait une gueule de ouf. Restez là, je suis sûr qu'à la fin du clash, moi et Ballon, on va se taper. Alors, nous, on a décidé, on a fait une émission pour la journée de la femme avec Digital Da. Et elle m'a dit, ouais, mais il faut faire plus pour les femmes. Alors là, je vous explique même pas ce que j'ai. J'ai un cadeau spécial pour les femmes. Si vous voulez ce cadeau, les filles, si vous voulez gagner ce cadeau, d'accord? Ok? Vous envoyez Guiding Star, c'est de la merde, au 777-999-999-779-1899. Voilà. Et là, vous allez gagner. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien cet objet. Hein? Allez. Ça, c'est pour les filles. Hey, ça marche. Regardez. Ah, Allez les filles, vous participez à ce jeu. Les mecs, inutile de mettre une perruque, on va vous reconnaître. Ça sert à rien d'essayer de ressembler à Ballon. Hein? Ah, j'ai une dent contre Gunning Star en ce moment. Nul. C'est bon, bon, mais on va en parler. Ballon, il est là, on va en parler. De quoi? Parce que Ballon, il me dit que pour Gunning Star, c'est mieux d'aller clash Platinum Cartel en Angleterre où tout le monde, il n'y a pas un Français qui, tout le monde s'en bat les couilles. Que dalle! Hein? Il me dit, c'est mieux que tu vois, on va en Angleterre, on va clash Platinum Cartel. Et il me dit, non, clash Ride Evans, c'est de la merde. Alors, Ballot, moi, j'ai une question pour toi, frère. Tu fais partie de Gunning Star. OK? Général Guiding Star depuis la première heure. C'est quoi le mieux pour Guiding Star, franchement? C'est Clash, Ride Divide ou Platinum Cartel? Je ne sais pas pourquoi tu parles tout le temps de Ride Divide, c'est un truc que... C'est récurrent pour toi. Alors, je vais t'expliquer. T'as un problème avec Ride Divide? Je ne sais pas, on dirait que ça t'occupe la tête, Ride Divide. Je ne sais pas, ils t'ont donné de l'argent ou quoi? Parle plus fort, on ne t'entend pas. Ils t'ont donné de l'argent, Ride Divide? Je comprends pas. Il est tout le temps Ride Divide. Il n'y a pas que ça comme son. Il y a qui d'autre? Il y a plein de sons, man. Vas-y, demande-moi un nom. Il y a plein de sons. Demande-moi un nom. Il y en a plein. Il y a Eric Roux, il y a Sol Sierra. Ah, Eric Roux, Gunning Star. Je suis pas fou. Le mytho. Bon, alors, il m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi tu parles tout le temps de Ride Divide avec Gunning Star? C'est une très bonne question, Malo. Et je vais te dire pourquoi. L'avenir, c'était pour nous tuer, on l'a jamais vu. Alors. Ah, bah finalement, tu reconnais la raison pour laquelle je parle de ce clash. C'est parce que Ride Divide, ils vous ont déclaré la guerre sur Internet officiellement. Jamais venu, et depuis ce jour-là, vous esquivez. C'est quoi, Raph? Il s'appelle Raph, c'est ça? Non. Ride Divide, c'est Tom, Mathia et Raph. Voilà, c'est les trois. On parle de Ride Divide du son. Ils vous ont déclaré la guerre sur Internet. Ils ont dit, Guiding Star, on va vous fumer. On va vous défoncer. Et depuis ce jour-là, silence radio. Arrête, silence radio de quoi? C'est dans ta tête, c'est le silence radio. Vous avez peur de Ride Divide? C'est dans ta tête, le silence radio, je te dis tout de suite. T'as un silence radio dans ta tête, toi. T'as un bruit. Un bruit de Ride Divide. Mathia, est-ce que tu peux appeler Jacob? Est-ce que tu peux inviter Jacob sur ce live? On va tirer tout ça au clair. Moi, je pense que vous avez peur de Ride Divide. Voilà. Dans ta tête. Bah écoute, Caillot, Charman, Bega, Yussel. Alors, tous ceux qui pensent que la raison pour laquelle, depuis que Ride. Attends! Je pose une question. Tous ceux qui pensent que la raison pour laquelle, depuis le jour où Ride Divide a déclaré la guerre à Gunning Star, et on n'entend pas parler de Gunning Star, il n'y a pas de réponse. Alors, d'après vous. Il y a eu 1000 réponses, mais toi, dans le doublé, t'as 1000 réponses? T'as un poisson rouge, en fait. 1000 réponses? T'as fait un tour de bocal, là, t'as oublié, quoi. Regarde, je vais te rafraîchir la mémoire. Plein de fois, on a répondu. Même Raph, il n'est jamais venu. Il a dit, ouais, il va venir. Il n'est pas venu. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, en gros, c'est pas vous qui fuyez le clash
contre Ray Divide. En fait, vous, tu es en train de me dire que vous, vous avez donné 1000 réponses à Ray Divide, que vous êtes prêt pour le clash. Donc, en gros, tu es en train de me dire que Ray Divide, c'est eux qui esquivent le clash. Donc, les gars, on a jamais eu de raf. Soit disant qu'il allait débarquer pour nous tuer. Alors, je vais demander au public de clashologie, ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas, hein, d'accord? Hey, à tous les clashologistes dans le chat, d'accord? Je vais vous poser une question, elle est simple. D'accord? Elle est simple. Si vous préférez Guiding Star versus Platinum Cartel, vous tapez 1. Si vous préférez Ride Divide versus Guiding Star, vous tapez 3. On va voir dans le chat. On va voir lequel de clash attire le plus le public. Voilà. Ceux qui veulent Guiding Star contre Platinum Cartel, ils tapent 1. Ceux qui veulent Guiding Star contre Ride Divide, ils tapent 3. Et là, on va voir. Alors, 3. Voilà. Yogo, 3. 3. 3. Bing. Bing. Voilà. 3. Voilà. 3 again. 3 again. Vas-y, on y va, les gars. Tous ceux qui veulent Guiding Star, Platinum Cartel, ils tapent 1. Tous ceux qui veulent Guiding Star, Ride Divide et qui sont prêts à se déplacer et à acheter un ticket pour ça, ils tapent 3. Et on va voir. On va voir qui a raison. On va voir qui a raison. Oh putain, frère, il y a tellement de 3 que je... Aïe, 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 aïe. Hé, hey, frère. Hé, hey, voilà. 3. Hé, hey, je te montre. Voilà. 3. Donc, non mais, tu vois, les mecs n'ont pas de sonde, ils n'ont pas de dub, ils font pas de clash, ils viennent te dire ouais, va clash l'autre. Eh, hey, l'autre, il a rien gagné, calme-toi direct. Gossier, attends, j'ai pas compris ce que tu veux. Ouais. T'es en train de me dire, balance des trois là. Ils n'ont pas de sonde, ils n'ont pas, pas de dub, ils font pas de clash, ils viennent te dire va clash Riley Vibes. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, Riley Vibes? Sérieusement. Ils n'ont rien gagné? Ils n'ont rien gagné. Pour moi, à ma connaissance, ils n'ont rien gagné. Ils ont gagné Interlion! Interlion! Oh, what the fuck, man. Et des trucs sur internet. What the fuck, man. Why you are top back, man. À qui tu parles, man? Nous, on a 24 trophées, gros. Go sit down, man. Mais combien de fans vous avez? Eh, hey, combien de trophées on a dans la maison, gros? Combien de cash on a fait? Alors, attends. T'es en train de me dire que les gens qui tapent 3 sur le chat, d'accord? Ils n'ont pas de sonde, ils n'ont pas de dubplate. Mais c'est le public. C'est des gens qui sont prêts à se déplacer et à payer un ticket. D'accord? Pourquoi votre vision, vous les sondes man qui clashez la cavée des dubplates, vous avez un problème? Vous en battez les couilles si la salle elle est remplie ou pas. La seule chose qui compte pour vous, c'est gagner le trophée. Mais c'est pas comme ça que ça va marcher, les gars. C'est pas comme ça que ça va marcher, les frères. Je vous le dis direct. C'est juste qu'une histoire de ligue, comme toi, tu voulais le faire. Hein. Comme toi, tu l'as revendiqué pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a des ligues. Hein. Voilà. On n'est pas dans la même ligue. Non. Il n'y a pas de ligue. Non, on n'est pas dans la même ligue. C'est faux ce que tu dis. Tu ne parles pas de ligue. Tu parles d'une certaine hiérarchie historique. C'est toi qui parles de ligue. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer un truc. Pour moi, c'est très clair. C'est toi qui parles de ligue. Pour moi, le fait que Guiding Star ne veut pas le clash avec Ray Divide, d'accord, traduit une certaine crainte de votre part à l'égard de Ray Divide. C'est évident. Et tout le monde sur le chat le sait. Vous n'allez pas nous vendre du pipeau. Voilà. C'est clair et net. T'as vu? Bah oui. Sinon, pourquoi vous voulez clasher? Bah parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et ça n'a aucun intérêt pour nous de le clasher. Aucun intérêt. Aucun intérêt de clasher Ray Divide. Aucun intérêt de clasher Ray Divide. Pour Guiding Star, aucun intérêt. Pour Guiding Star, il n'y a aucun intérêt de clash Ray Divide. Non, je te le dis direct, il n'y a aucun intérêt. Man. Aujourd'hui, les mecs, ils n'ont rien. Ouais, moi, j'aime bien, je respecte. Hein, big up Mathia, big up tout. Attends. Laisse-moi parler. Big up les frères. Je sais qu'ils font leurs things. Ouais. Tu vois ouais. Mais aujourd'hui, par rapport au level et au travail qui a été fait, excuse-moi, man. Il n'y a rien. Il n'y a pas de comparaison possible. Non, alors, d'après cette vision, je suis assez d'accord avec toi. Mais par contre, je vais dire un truc, gros. Pour moi, ce que tu dis là, ça vaut pour Platinum Cartel. C'est nobody, Platinum Cartel. Platinum Cartel, ils sont encore moins connus que Ray Divide en France. Peut-être même en Angleterre. Pose 2000 boules, pose 1000 boules à Ray Divide, pose 2000 boules et puis on vient. Alors attends. T'es en train de me dire que pour avoir ce clash, il faut que je vous donne à vous 2000 euros et à Ray Divide, je vais donner 1000 euros. Non, 1000 euros chacun, t'inquiète, on prend chacun 1000 euros. T'inquiète, on vient. Oh c'est vrai? Donne tes 1000 euros, on y va. T'inquiète pas. Pour 1000 euros, toi, t'es prêt à clash Ray Divide? Bah oui. Tout seul? Ouais, même. Non, je suis pas tout seul, même. Moi, je suis une équipe. Je vais pas parler. Avec qui tu vas? Je vais pas parler au nom de mon équipe. Avec qui? Je vais parler au nom de mon équipe. Man. Ah, voilà. Bon, alors appelle Jacob. Vas-y, appelle Jacob. Vas-y, appelle Jacob. Jacob, man. On va voir si Jacob, il est d'accord. On va voir. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance en Angleterre. Ouais. Moi, je vous souhaite de niquer les Anglais. D'accord. Vous avez déjà niqué. Après, si vous persistez. Ouais, mais vous les avez niqués. C'est comme avec Artical. Aujourd'hui, on est qu'à 2-1. Tu vois, Artical, on l'a niqué deux fois. Donc, il nous nique. Une fois. Ouais, c'est 2-1.
Ah, c'est pas fort. Mais pourquoi tu me parles d'Urtican? Là, je te parle de Raidival, Platinum, Cartel. Ouais, et tu me parles d'Urtican. Aujourd'hui, on est 1-0 avec Cartel. C'est ça que je dis. Comme avec Urtican, on est à 2-1. Voilà. Pour l'instant, on est en lead. Oui, mais alors, la victoire que vous avez eue avec Platinum Cartel a beaucoup moins d'effet que la défaite que vous avez eue face à Urtican au Paris Song Clash. Vrai ou faux? Le Paris Song Clash, on a perdu un point, mec. Et en plus, c'était truqué à la fin. Donc, Ah ouais, le Duff Duff était truqué, man. Truqué? Ouais, et puis attends, comment on peut truquer un Duff Duff? Il y a playback. Déjà, il y a playback de Urtican. Déjà, il y a playback. Premier round, playback. Le man a fait go back home, man. Il playback, go back home. Dans les rangs. Ouais, il a playback, man. Non, mais tu m'as dit le Duff Duff était truqué. Ouais, comment ça truqué, man. Qui a truqué? Junior Peak? Big up Junior Peak, il est en vacances là-bas dans les Caraïbes. Big up yourself, you know. Easy style. Bon, Balot, tu me dis qu'il y a eu trucage lors du Dub Feed Dub avec Urtican. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu as vu, j'étais dans la danse. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Voilà. Et moi, j'estime un truc, frère. Moi, j'étais là quand vous avez Clash Platinum Cartel. OK? Et tu me dis, ouais, mais Raidy Vibes, nous, on a 24 trophées, etc. Mais si je suis ta logique, il n'y a pas de clash. Si vraiment, si on s'inscrit dans ta logique, si pour que Raidy Vibes il puisse clash Guiding Star, il faut que eux aussi aient 24 trophées, bah, je vais aller à Decathlon, vais acheter 24 coupes, je vais les donner à Raidy Vibes. Autre chose qu'Interlion, tu vois ce que je veux dire. Autre chose. Ils ont tué aucun autre sonde à part Interlion, Raidy Vibes. Bah, en live, ouais, en connaissance, c'est que ça. En live. Alors là. En live. Hé hey, attends, il est où? Attendez. En live. On va aller voir dans le chat. Après sur internet peut-être, hein, t'as vu. Mais on fait des lives sur internet. C'est pas pareil. Mais c'est des lives. Donc t'es d'accord, ils ont pas gagné qu'un clash. Ils ont gagné qu'un clash pour moi. Ils ont gagné qu'un clash? Oui, Interlion. Pour moi, c'est. Les autres, c'est pas pareil. C'est un truc internet. J'arrive pas à y croire. Ça veut dire que toi, tes 24 trophées, ils sont crédibles, mais eux, leur victoire, elle l'est pas. Un trophée crédible. Un trophée crédible face à Interlion, ils ont gagné. J'étais là et puis bon, j'ai c'était facile, hein. Interlion, c'est facile. D'accord. Alors du coup tu m'as dit. Time's up, on va bientôt commencer. Je fais ma dernière question. Du coup, tu m'as dit, ouais, bon, Raidy Vibes, c'est pas assez big. Du coup, tu m'as dit qui? Tu m'as dit Aerie Crew. Donc Aerie Crew, Guiding Star. Puisqu'ils ont gagné Paris Song Clash 3. T'as vu, ils ont fumé Urtican. Ouais, t'es chaud pour clash Aerie Crew? Ouais, tu mets 1000 boules, on clash qui tu veux. 1000 boules? Demande à Jacob, t'es un menteur. Ouais. Tu me vends du rêve. Tu mets 1000 euros, on clash qui tu veux. 1000 euros? On fume qui tu veux. On les fume. Qui tu veux. Alors, retenez bien ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Ouais. Là, vous êtes dans la vraie culture clash. On n'est pas dans des trucs de bouffons. Vous n'êtes pas chez reggae.fr. Ici, ça parle vrai. Si on doit se taper, on va se taper. C'est comme ça. On n'en a rien à foutre. Au final, avec des bleus, le nez cassé, on s'en bat les couilles. Mais on parle vrai. On n'est pas là pour faire les putes, tu vois. On est là pour parler vrai, que ça plaise ou non. On sera toujours comme ça. On va parler vrai parce que la vérité, ça résout tout. Alors là, tu m'as confié un truc, tu sais quoi? Je le garde. Je vais garder cette note, Balot. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bah écoute, en ce moment, en tout cas, aujourd'hui, c'est la demi-finale des 45 to kill. Avec Bass Culture et l'original Rough Lion. On va accueillir les sons right about now. C'est on. Hey! Are you ready, my people? Pascal Chan, big up yourself. Bon. Ryan, just big up yourself. Big up, big up. Comment vous allez, les gars? Vous allez bien? Impeccable. Tout va bien, en forme. Nickel ici à Lille aussi. La gaufre, ça va faire mal. Je sens que vous êtes chaud, les gars. Alors, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de vous être investi dans cette compétition. Merci à Flo Cabo de l'organiser. Merci à Raidy Vibes, The Stream. Merci à Don Balot, consultant. Polak, vous le savez. Clashology Style. Et là, alors, Balot. On a oublié la pièce. T'as des sous? C'est pas la bonne pièce. T'as pas la bonne pièce. On a. Voilà. Mais on va faire ce qu'on a. Oui! Massive of Clashology! To Seven's Clash, if you want to hear the 45 to kill! A final, somebody is going to dead! Et je vois des Two Seven's Clash! Je vois des Hot Fire! Je vois de la vibes en chat! On va commencer ce clash hot tapping, voilà! Real fucking shit. On n'a que 20 centimes aujourd'hui, on est en galère totale.
Hein, le RSA, il n'est pas tombé ce mois-ci. Allez, on n'a pas de cagnotte, vous le savez. On est des chiens de la casse. On est là pour la guerre. On est là pour la vraie culture des clashs. On n'est pas là pour beg. Merci à vous tous d'être là. Yeah, passa jam dans la place Santo Bega, yourself. Alors, bon. Normalement, c'est celui qui choisit la face. Il est plus loin en distance de kilomètres. Okay. Donc toi, Bascolcha, tu es à Marseille, c'est ça? Ouais, toujours. Bon, tu es le plus loin. Qu'est-ce que tu choisis? Pardon, excuse-moi. Non, j'allais juste te dire que nous, on est toujours à la maison. On n'a pas déménagé. Ruff Lyon, apparemment, voilà quoi, sans logique. Ruff Lyon, il est à la maison. Ça fait 20 ans que je viens ici à la mule solo. Ah ouais. Mais moi, j'avais entendu clashologie, clash à la maison, apparemment. Je déménage régulièrement, quoi. Eh les gars, il n'y a même pas. Tu as envie de comprendre ce que ça veut dire à mule solo. Cette ambiance. Ah bah, ambiance. Les pieds dans le plat. Le plat de gaufre, c'est pas bon les gaufres aux pieds. Big up yourself. Mighty Earth, Toulouse, bam, salut, big up. Alors, bon, alors j'ai proposé, l'ambiance entre vous deux, c'est à peu près la même qu'entre moi et Balo. Hein, on va dire c'est un dimanche électrique. Alors, basse colcha, pile ou face? Face. Face? T'es prêt? Face. Face. Alors, basse colcha, tu choisis qui commence? Choisis d'ouvrir le bal. Oh non, 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 non. Hey, non, je suis fan. Hey, bâtard. On va voir ça après le clash, tu l'as vu de ma mère, je te le dis. Alors, vous êtes prêts pour la chiffonade? No new friend, no new friend. Ah, tapez. On veut du sang, de la chic et du molard. Vous êtes bien sur Clashologie. On va commencer ce clash. Il est exactement 33. On a un petit peu de retard. Basse Colcha, c'est à toi. Premier round, 10 minutes. Hot. Yes, Aya. Bah, ça y est, on y est. Je big up tous les gens de Clashologie, ceux qui y a derrière leur écran, ceux qui y a à la maison, les gens qu'on connaît, ceux qu'on connaît pas encore. Je te big up, Grégory, parce que je sais que, pareil que nous tous, on a la même passion pour cette musique. So voilà, les amabilités, c'est fait maintenant. Je te présente le programme. Ça va commencer, you know, comme ça. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Irie time easy. Pour commencer. But there's just one thing, you see. We never ever nice do and nothing. Easy. Nice and easy. We always do it nice. And rough. Nice and we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Rough. The way we do it. Ouais. Ça, c'est la touch basculture. On commence toujours tranquille. Mais la course est longue. If tomorrow is judgment day. Une fois de plus, on est sur la ligne de front. And the Lord asked me, what did I do with my life? I would say, I spent it with you. Yes, Aya, parce que tu le sais, Ruff Lyon, c'est pas toi qui pourras nous arrêter. Hi. Toujours prêt, toujours là. Wait a minute. Et on commence par te dire. Oh, you say another word now. Tell me, what can you do to stop a man from trying? I said I wanna know now. What can you do to stop a man from trying? I wanna know. Yes, I wanna know now. What can you do to stop a man from trying? I wanna know. Said I wanna know now. What can you do to stop a man from trying? Not with that big. Comme je te le dis, tu peux pas nous arrêter parce qu'on a préparé les choses sérieusement, tu vois. Commence à prendre mes marques. Everyone is listening to your song. So remember when you call on the name of the Father, make sure you're serious, 'cause it can be dangerous. Yes, it's not a joke thing, no. Reggae music is not a joke thing, you know. The name of the Father, that can be dangerous. Make
Parce que je te dis, nous, c'est comme ça, on aime bien toujours commencer tranquillement, prendre notre marque et petit à petit faire notre chemin. Et ça fait quelques années que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter, you know. Jusque la ligne d'arrivée, on sera toujours là. Fight until we drop it. Never give it. Combattre jusqu'au bout. Until the road is rough. Your love will never stop. Yes. Fight until we drop. Never, never, never give it up. No, no. Until the road is rough. Your love will never stop. No. First we go put a little. Parce qu'en fait, Puff Lion, je pense que tu sais pas où t'as mis les mains là. Je pense que tu sais pas dans quoi tu t'es engagé. Et d'ailleurs, on se prépare à te faire changer de nom. Keep your hand out of the fire. Yeah, now. Man and man, we respect one another. Live upright and praise your father. Pray for his blessings within our soul. Man, you better take full control. And then, never trouble the things that's not yours. They will only bring strife to your world. Don't make red eyes. C'est le feu qui va te consumer aujourd'hui. Honest is a key, didn't you see? And you shouldn't put your hand in the fire. Fire red, I tell you must get burned. Make you put your hand in the fire. Et tu sais quoi, pour être sûr que ça fonctionne, on va rester dans la thématique. I'm on a zone already, no? And Jamies not tell him so the fire red in the fire bed. They must be cool with the fire I'm burning. Yo, yo, yo. Me a burning you. Well, me nah cool with the fire. When me burn, cause this a fire too red. And them now man get none of them. Say cool with the fire. When me burn, this a fire make any table turn. Cool with the fire. When me burn, cause the fire too red. And them now man get none. Cool with the fire. When me burn, this a fire. Ya a burn the western. Fire it a blaze and it a blaze without a limit. Show me go put a fire on fingers in me. How the end you grow, you're not the conga bonga wanga trim it. Fire can't escape, put a shot like me jit. Je te dis, on est en train de mettre la savane en feu. On va t'obliger à sortir de ta cachette. Well, fire make them all a dance like mimic. Fire got ton no for them mean and a beast. Well, them never know the rien mieux que de déclencher les flammes. Yo, what me name? Red, 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 show. Shut up me mouth, zip it up and padlock it. Keep a no say nothing while them a run back it. Pure sufferation and me future them a black it. Them no want to get a youth of money in a them pocket. Give the little penny them ratchet climatic. Give them ammunition and teach them how to cock it. Club up them brain but the city them a lack it. Know your vex when them turn round and back it. So when me do burn them, you know. Parce que je te dis, ce soir, il y a les flammes sur toi. Et c'est plus Rough Lion, ça va être Puff Lion à partir de maintenant, you know. Juste de la fumée qu'on voit un peu devant nous. Mr. Dangerous, original dangerous. Allez. Danger. On va rentrer dans danger. La guerre. Dangerous. And when the sun comes shine and the rain comes fall, I am dangerous. Hey. 24 sur 24, 7 jours sur 7. I am dangerous. Hey. And when I go to a dance on the dance or rum, I am dangerous. So, et tu te doutes bien que si on a la prétention d'être dangereux, on va pas venir avec des cartouches en caoutchouc. On va venir armé, you know. Oh God, guns out, me a tell a bad boy. Don't pet and powder, original bounty killer. All in form of a dead. We don't pet and powder, we no ramp a shot. Boy, in them face and head, when me look and tell a boy, them say no bad boys. From we pop out, we gun blood a go run. Like a river Jordan a come down. From we pop out, we gun holy pop blood a go run. X amount of people life a go done. When me say, pop a shot. Remember me telling not just that ear day. Man a bust so much. Bounty kid this sa, you know. None of mercy. After all, wrong's mad name you call. A pop out my gun and it rains to fall. Smaddy road like ball.
Yeah, no, you're dead, your mother ball. Wrong man name, you call loose argument. Peter Long, sorry, Paul. Well, you see me gun and pose up like a wall. And then over the suffers look like a mall. You coulda big or small, coulda long or tall. For you this me and me gun will all your weather go fall. And your mother we cry, and your daddy we ball. We not take hostage, might as well kill all. Coulda buy St. Peter, coulda buy St. Paul. Coulda to fly, cayenne, you coulda to fly. En tout cas, ouais, comme je te le disais, en ce début de clash, c'est nouveau dans un endroit, ma foi, plutôt sympathique. T'as l'air bien préparé, tout est prêt, mais je sais pas. Il y a quelque chose dans la posture où je me dis non. C'est pas sincère, il y a quelque chose un peu de qui correspond pas. Écoute ça, c'est Human qui vient de dire ça. Toujours fier des apparences, you know. L'habit ne fait pas le moine, le gueule ne fait pas l'homme. La salle fait pas le DJ, les Nike ne font pas le champion. C'est une question de fond, pas une question de forme. Entre l'original et son imitation. L'habit ne fait pas le moine, le gueule ne fait pas l'homme. La salle fait pas le DJ, les Nike ne font pas le champion. Et c'est pas parce que t'as les lunettes de David Rodigan et Cyril que tu dois pouvoir prétendre à la même fonction, you know. Les skates de Jordan, les mêmes fous bouquets et les flots de méthode. Et pour tous les fonçons, y'a une tune. And why you know so that you understand me and I know that I'm right from now on. Come on. Sometimes my man forget, coop again, coop again, coop. Sometimes my man forget, coop again. Sometimes my man forget, coop again, coop again, coop. Sometimes my man forget, coop again, coop again, coop. C'est Shelly Thunder qui dit ça. Maria man and him name is Ricky. From last month him a go on like him crazy. Come woman in time after 7:30 when sun a shine and the nearby them. Et tu sais quoi? Le problème quand on s'appelle Rough Ryan, qu'on prétend être rough, c'est qu'on croisera toujours sur son chemin quelqu'un qui prétendra qu'il est plus rough que toi. Et aujourd'hui c'est moi qui ai cette prétention, you know. Écoute ma prochaine tune. Now hear this. Well, if a man a talk about them run things and them are the greatest. But me know say all the top and the roughest. You know face with a first time rabbit. Hear me, man, chop. I can fly like a butterfly, sting like a bee. Father than the punch of Muhammad Ali. I know DJ in the world get question me, cause I'm the roughest. I am the roughest. Captain of the toughest. Boy, oh, I can use cable and watch me girl night. Tu peux prévoir ce que tu veux. I can use cable and watch my baby now pee. And none of them the DJ manager they question me, cause I'm the toughest. Boy, oh, captain of the roughest. Alors pour être sûr que tu comprennes bien le message, je vais te le dire une deuxième fois. Toujours plus rough que toi, tu trouveras ça sur ton chemin. Yeah, yeah. They believe they are rough. They believe they are tough. They believe they are rough. They're the rough. Like me. Yes, I am. Yeah man, 10 minutes pour entendre que des classic tunes. Alors, à ton round de précédent, t'as dit les classic tunes, blabla, c'est chiant, c'est pas original. Et pourtant, c'est ce que tu viens de faire. So, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, we want some clash. Et aujourd'hui, je rencontre un sound qui existe depuis 1992. Un sound qui allait sur la péniche Ruby, alors que je regardais encore les émissions du Club Dorothée. Mais ça, je l'ai déjà dit au tour précédent, je pense, face à Put Up Laïta. J'ai l'impression d'être dans le film Un jour sans fin. Et aujourd'hui, il va y avoir une fin. La fin du Bass Culture Sound et de son Selecta Tepaz. Marseille, à jamais les premiers. 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. 13 défaites. Et aujourd'hui, Tepaz, tu viens ramener la 14e défaite dans la ville phocéenne. Parce que tu peux pas venir tester le Big Bad Sound Rough Lion. Mes 45 tours vont te kill. Assassinat musical. À coup de 45. Écoute bien. Clash tune. We play for the fire, son boy you can't stay alive. We play LP, son boy you can't taste me. Eh oui,
ouais, man, parce que tu peux pas venir tester le Rough Lion Sound. C'est un assassinat musical pour toi aujourd'hui. Et comme il est marqué là, pour moi, il n'y aura pas de problème. Amule solo pour te tuer. Kill you. Boom tune. Et tu sais pourquoi je vais te tuer? Juste parce que Rough Lion est dangereux. Écoute bien, le son dangereux c'est Rough Lion. J'espère que tu vas comprendre. Thriller You pour toi et toi. Et t'es pas, je pense que ça doit pas t'arriver très souvent, mais est-ce que tu sais ce que les Massive disent quand Rough Lion vient jouer des big tunes? Écoute bien. Et dans le chat. Will and pull up. Alors si tu kiffes la sélection, mets des flammes dans le chat, un maximum de flammes. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire des pull-ups, on n'a pas le temps de revenir. Mais écoute bien, un deuxième, Johnny Osborne pour toi. On va t'expliquer qui mène la danse ce soir, qui mène le clash. Classic tune. Qu'est-ce que tu dis, Massive? Playing in the ghetto tonight. We gonna rock it tonight. Je te le dis, un assassinat musical aujourd'hui. Je suis pas venu bluffer, je suis pas semblant. Je viens kill Tepaz et le basse culture. Et t'es venu me jouer un Human. Human parce que tu sais qu'il fait partie du son basse culture en Belgique ou quoi? Mais basse culture en Belgique, ça faisait du monde dans les soirées. Toi, j'ai jamais vu ton nom nulle part. Et si t'as pas bien compris comment je traitais les soundboys aujourd'hui, et bah je te donne un event list une troisième fois. Écoute ça. L'homme porte le nom de Super Black. And I mean it. My sound is the sweetest sound. And I mean it. My sound is the talk of the town. Lord, all the while them coming at the dance. I go like them big and them broad. But sound boy, I want you to know my sound are the one of the land. I would have seen with you. Hey, wait, man. My sound. Un message pour toi, t'es pas. Eh oui, plusieurs sont testés. Toi, t'es aujourd'hui, mais t'es dead. Et en sound clash, il faut venir jouer des mecs comme le Don Gorgon, Mr. Murder Them, l'homme qu'on le nomme par le nom de Ninja Man. Et big up l'homme ninja. Écoute ça bien. On n'était pas side, pas side. Mais me shot the boy, don't you see the boy a go on like said my bad boy. Attends, on n'était pas side, pas side. Ah, mais me lick down. Hey, Massive, mets-toi bien, mets-toi là, et c'est clash aujourd'hui. Pas de boy, flex, on n'était pas side, pas side. Mais me shot the nigga, you know, see my go on like said that in rope and stack up. On n'était pas side, pas side. Ah, make me murder them, you know, see that them a go on like them a bull in the pen. On n'était pas side, pas side. Make me lick off them, you know, see that one a push up him life in one. They didn't step aside, pas side. Et tu vois, t'es pas, aujourd'hui je suis là pour abréger tes souffrances, pour réduire ton son au silence avec 1,45 tours. Oh yeah.
judge, I know you not try. I, oh yeah. I said, son, boy, the only thing that I can do for you, boy, is to use one doublet and just keep. Alors, ouais, t'es pas. Aujourd'hui, t'étais un petit peu plus dynamique que la fois précédente. Mais t'es quand même un sélecteur qui m'endort. Et franchement, les sélecteurs qui m'endorment, j'ai envie de leur donner un bon vieux fast style à l'ancienne pour qu'ils comprennent ce que c'est de bouger, ce que c'est de doigner et ce que c'est de gagner un clash. L'homme qui vient est recordman du monde, il a son nom dans le Guinness Book. Écoute ça bien. Yo man, my main man, Daddy Freddy, what's up man? I'm just chilling out on the free foot, one blood. Et ouais, le vétéran, Daddy Freddy, écoute ça bien. Bad like a fly on. Bad like a me, me, me. Bad like a me. Bad like a me, me, me. Bad like a me. Bad like a me. Et si t'as pas bien compris, j'ai un deuxième Daddy Freddy pour toi. Écoute ça bien. Toujours en activité. Boom style. Des flammes dans le chat. Écoute ça bien, nice and easy. With my microphone, I'm ramming up your party. Each and everybody, man, you feel irie. Watch out, the girl, them just a move them body. Bringing out your jig, them to the DJ daddy. Et alors, t'es pas, tu pensais vraiment que tu pouvais venir tester le Rough Lion? Écoute bien, la deuxième, la suite. Yes, sir. Tu peux pas venir tester. Solo Banton, Charlie P. Yes, écoute ça. When we touch on everything, it a go bless. We say no nastiness, only righteousness. I say we burn the fire red. I say we have to confess. We coming in hard, coming in rougher, coming in tougher. Reggae music on me lover, coming the sense of me lover. Coming in heavy like a tonner, coming at us like the summer. So we bring the vice and come out on, oh, no feeling fire burner. Yes, we master rhythm easy. Babylon want me sleepy, me nah need no CV. Go and check the CD. The EP, the LP, it's Charlie P and Solo B. Ready, be ready, be comfy, nice up, it's your party, we say. Et t'es pas, j'pense que tu connais un petit peu le son Rag and Jungle. Je sais que tu kiffes l'artiste qu'on appelle General Levy. Alors, spécialement pour toi et tous les massifs du chat, tous ceux qui sont sur, présents sur Clashology et Party Time. Wicked, wicked, jungle is massive. Le son qui est wicked, 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 c'est Rough Lion. Jungle is massive. Écoute, wicked, jungle is massive. Pour toi, ce soir, c'est Ted. Well, big up, and the original jungle is massive. The original dancehall jungle. Eh ouais, c'est comme ça que ça se passe ici. Gentlemen, leave you alongside the MB. The world is in trouble. I want to tell a murderer. It goes. Écoute ça. Incredible general. Sensational when it coming. Incredible general. Select, select, select. What? Yo, Matty Wall and them, I spin them like a windmill. New time for them, don't tell them how we got this skill. Dance can nice unless we name on the bill. And the girls see your wave, I see like them dreams get fulfilled. Yes, I am a Steve. Ah! Rodigal versus White, on est bien, on est bien, on est bien. Ah là 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 là, putain. Eh, les Ch'tis versus Marseille, frère. Ouais, c'est ça. Je te dis, même si... Hey, bon, alors, par contre, hard tapé. Vous savez comment que ça se passe. Il y a un deuxième round de 10 minutes. Et après, on a un dub feed-up, un tune fait tune. On est bien d'accord. Mais on doit prendre la température. Clashologiste, qu'est-ce que vous dites? Qui mène ce bomboc-là de premier round? C'est moi qui mène le round. On aime bien, il y a Snow White, il y a Rodigan qui sont là. C'est de la patate. Hey, qui sait vous voter pour qui? Snow White ou Rodigan? Ah, tapé! Big up à tous les clashologistes! Don't Ballon, Mr. War! Party time, Rough Lion and the original Best Culture! Vous êtes prêts pour le deuxième round? Deuxième round! Best Culture, 10 minutes! Et? Bon ben. Que dire, que dire? Playback tune, quoi! Le général Levy, mon pote, je l'ai joué au quart de finale. Je comprends pas que tu t'aies fait cette erreur, quoi. Réécoute, mon pote, il est joué. Sur un rythme différent, mais il est joué. Donc voilà, playback tune. Playback tune. Mais bon, on va y aller quand même. My son is a wonderful son.
This sound you can put on no shelf. Now to me they no longer have to explain, because I know for myself. Number one song. So, la chasse est ouverte, on se met en mode safari. Alors je t'avoue, ça me fait un peu chier, j'aime pas trop ça la chasse. Mais bon, j'ai appris un truc, ça s'appelle la sélection. C'est-à-dire que quand il y a trop de gibier, qu'il y a du gibier qui est un peu faible, et ben faut l'éliminer. Alors voilà, on passe en mode safari, Ruffleyen. Turn off them idiot sound over there, so them idiot sound over there, so them jump and sound. What a name of Billy Boy, wake up on early morning. Deuxième ronde, pas très convaincu par ton premier, je dois l'avouer. Oh, in town on midnight robbery, they lick him with the SLR. Shocking on me neighborhood, when Billy Boy lost his life. Hang down your head, murderer, hang down your head and cry. Murderer, you know. Hang down your head, murderer, sperm boy, you're gonna die. You're gonna die. Alors Ruffleyen, prépare-toi bien pour le deuxième round. My selector, you so swift on the draw. Crowd of people, no matter tell we say we can't, cause we murder them. Them jump and sound, we never heard of them. Bon, là, je t'avoue, tu m'as un peu vexé, là. T'as mal parlé de l'OM, ça se fait pas, mon pote. D'autant plus que tu le sais, il n'y a qu'une étoile sur le maillot, c'est nous qui l'avons. Moi, je sens de la frustration dans ce que t'as dit. En fait, tu parles trop, toi aussi. Alors écoute mon tune. Écoute, Barrington, il a un truc à te dire. Utiliser autant de mots comme t'as fait pour dire que des conneries. Et en plus, ton sourire de façade, ça va pas du tout. Et en plus, t'as les dents jaunes. So, écoute. Je te le dis, les sourires en plastique, ça marche pas. Alors ça, tu vas me dire, c'est un classique. Eh ben oui. Je te dis, mon pote, ce soir, t'as mis le pied dans l'arène. T'en sortiras les deux pieds devant. Stop crying. No stonky and this whip on the back of field. Head up the rule and miss the skin and the peel. Bienvenue dans l'arène, il en restera qu'un. Murderation time. Jusqu'au bout, on va pas te lâcher. Here and there, see I'm blind boy, keep the mouth shut. What do I concern you? You must sleep. Here and there, see I'm blind, watch a move and don't step. Disrespect, you shall face, oh no, then can we a man.
murderer. Kill anything no coulda. Big like Hank and small like a fin no. Murderer kill any sound system. Champion old man Amilo. I say you name it and we. So parce que tu sais comment que ça se passe. Dans la vie comme dans la dans, comme dans les clashs pardon. La tête haute, le verbe acéré. Et c'est comme ça que ça fonctionne, you know. Long time qu'on vient promotionner ça. Don't jump up to this. V'là l'état d'esprit du moment. God of his mercy. What's the deal with one? Here, what you want to know? Me all walk like a champion. Talk like a champion. Je le sens plutôt bien le truc. On your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in, me everything where you are waiting for. Walk like a champion, talk like a champion. What a piece of body, girl. How will you get it from? Knock on your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in. Why? Would you be, would be more than dead to take your hand and lead you to the promised land? Me 20-foot diamond. All you got to do is be true, so let's go respond. Satisfy your emotion. At a fool. Come yes. On then. Chillin' in little room there, come on then. Alright, y'all. Classic tune encore une fois. Ayaga, yaga, mais quand c'est efficace. Ayaga, yaga, yo. Ayaga, yaga, yeah. Ayaga, yaga, yo. Sin. Good morning, son. Well, long time I send reach ya. Alright then. Parce que ça fait longtemps qu'on est prêt, tu sais. Chillin' boom day. Toi-même tu le disais, ça a commencé début des années 90. Toujours là malgré les embûches. En tout cas, Reflion, moi je te le dis, nous on est prêts quoi qu'il arrive. Quelle que soit la décision qui sera prise, le chemin continue. Et là, on va sortir les dernières cartouches, histoire d'être sûr de bien te mettre à terre. This is the songs of the old time proverb. Yeah, yeah. This is the songs of the old time proverb. Yeah, yeah. How the plate walk go a sound boy belly. No, whoa, whoa. Don't ask me that talks my sound passe. From all over the country. Ready? Them say Lord, them never know. Them say Lord, them never know. That my sound. Faites part toi encaisser la cartouche. Bang, bang, bang. Angle ba, angle bang, wa da 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 dang dang, hey, bang ba da angle ba, angle bang, wa da 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 dang. You just kill the sound for we, you kill them on the double, it's emergency. Tonight, 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 they try this way. Tonight, 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 they dead and buried. Say them dead, say them dead, them dead, them dead. That is my sound, and tonight them dead. We coming like a lion. Tu parlais de Daddy Freddy en disant que c'était le champion du monde du fast-style. C'est vrai, il est dans le, même dans le livre Guinness des records. Mais purée, si on joue les fondations, toi-même tu sais c'est qui le vrai DJ fast-style, you know. Alors écoute ça. Je te dis, s'il y en a un qui domine ce soir, c'est Lecta T'es pas à ta basse culture. Believe it or not, we stand predominant. I win a ramp, I win a like excitement. Come down, cause strictly enjoyment. Hey, follow me. Magnificent, 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 digga 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 ding. Magnificent, 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 magnificent. Follow me now. Magnificent, 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 digga digga digga. Magnificent, 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 magnificent. Come now. Burn him in it, 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 burn. Teaching. Quand on parle fast-style, tu peux pas éviter Papa San, you know. Vraiment, j'ai l'impression qu'après cette histoire de clashologie Reflion, plusieurs se demanderont c'était qui. Et je crois que les gens, bah non, ils sauront pas répondre à cette question, you know. Alors la dernière cartouche. Well done. Who them? Yo, some may say Puff Lion. Slew them up be a feelings them a carry. Them done go already and then can't say them sorry, yeah. Slew them up be a feelings them a carry. Who no want to do them something again? Wait, yo, what you with me? Who them a could have that them a try? Them got this king Selassie, what you all of them die, yeah. Who them a make go see them with the spell? Them this money well and them so gone a hell, yeah.
Marcus. Them this Marcus, I know them all by the dust. Yes, I am. Who them mommy got tell them this plan? Tell them them can't this mama hurt. You know see ya. Yes, I. Yo, yo. Alors, tu te dis, après ce live, les gens ils vont se demander qui est Ruff Lyon. Moi, je me demande qui est Basculture depuis 1992. T'es inexistant, mec. Inexistant. Et tu parles beaucoup trop. Tu parles beaucoup trop. Alors, au tour précédent, t'as gagné parce que ta femme a fait des gaufres. Aujourd'hui, tu parles de Médan. Tu te crois sur un concours de beauté. Mais Jean-Claude Duss, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Donc, un seul mot à te dire, tais-toi. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. You're too leaky, leaky. Keep your mouth. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. You're too leaky, leaky. Ça. You better keep your mouth shut. Ouais, tu ferais mieux de la fermer. You better keep your eyes open wide. Et garde bien les yeux ouverts pour regarder le champion de sang. Et c'est pas toi qui va m'empêcher d'aller au bout. Et la route est longue, la route est dure, mais je ferai pas marche arrière, j'irai jusqu'au bout. La route est dure, mais je vais pas lâcher l'affaire. Alors t'es pas, je respecte quand même un minimum ton blaze, parce que t'es un Selecta vétéran, donc forcément tu dois connaître tes classiques. 1964, Millie Small sort My Boy Lollipop, et le numéro 2 en Angleterre dans les charts. Et est-ce que tu veux savoir ce que les massifs disent quand Ruff Lyon vient jouer My Boy Lollipop? Oh, c'est toi, à mon idole. Oh, c'est toi qui fais eh ouais, man. Cœur. En français dans le texte. Et bien plus fort que Johnny. Ou Richard Anthony. Oh, c'est toi, à mon idole. C'est toi ma raison de vivre. Car partout je veux te suivre. Et ça, moi, c'est parce que je suis un top au top sound. La nouvelle génération, Amélia Harmony. Je le dis, on vient jouer toutes les générations. Oldies, but goodies, et la nouvelle génération aussi. We love you, we love you, we love you so. You're gonna steal the show. Et alors Tepaz, je sais que t'as vécu 12 ans à La Réunion, donc j'ai envie de te faire plaisir sur le prochain tune. Et sur le prochain tune, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est que le sport, la compétition, parce qu'un clash c'est du sport, c'est une compétition, et tu peux pas gagner. Écoute ça bien, pour te rappeler ce que c'est ton île. Nana Marathon, Big up La Réunion. C'est ni brûlé quatre fois, par contre les maçons. Fais ton tagachi, c'est gamme. Enlève ton crampon à la bande et à Pima. Dis à son attention. Écoute ça bien. Sandy, c'est Galéla. Et là pour gagner, pour participer la compétition. Eh ouais, mais toi tu peux pas gagner la compétition, t'es pas. Et je vais en profiter pour big up tous les artistes de La Réunion. Des gens comme Kaf Malbar, Mighty Killa, Mighty Lyon, pardon. Et aussi surtout, l'homme qu'on nomme par le nom de Tonton David, rest in peace. Parce que t'as cru que tu pouvais venir m'enterrer, tu t'es trompé. Écoute bien. Tu préparais mes funérailles? T'avais déjà acheté les fleurs? Les fleurs, tu peux les offrir à ta femme. Ils avaient organisé nos funérailles. Avait même acheté des fleurs. Oh, il ne pouvait pas savoir qu'on serait encore à la hauteur du temps. Que 1 pour le message et 2 pour le show et 3 pour le cachet. Quand on a le tempo du temps. Que 1 pour le message et 2 pour le show, 3 pour le cash. Quand on a le tempo, je te donne ma position. J'ai du reggae plein la tête. La musique m'a pris le cerveau.
hausse le son sur ta stéréo. On a tous besoin d'amour pour sortir de son ghetto. Liberté pour monter. Donnez de l'accueil pour le message et deux pour le show. Trois pour le cash quand on a le thème. Donnez de l'accueil pour le message. Et je te dis, j'ai un autre message. Je vais t'expliquer ce que c'est la différence entre un loser, toi tes pases, et un winner, le Rough Lion. On va faire juste 400 km par rapport à chez toi. On va aller faire un petit tour du côté de l'Italie. Écoute bien. Boum d'abash. Jouer dans toutes les langues, dans toutes les langues, tout le monde va comprendre que t'es dead. Et parce que tu pouvais pas venir tester le Rough Lion Sound. Écoute bien, pas d'Anthony, tu peux pas venir tester le Rough Lion. And tonight another dance song, girl, you better write your will. What? Them come test we. Classique sur Ville Rock Rhythm. I'm the dope them. And tonight another dance, my song, I go show him skill. Écoute ça bien, tes pas. Them must think I saw. Pass and get the ground. Them must think I saw. My song will go crown. The entrance, this are the exit. Et dans sa sélection, t'as joué plusieurs boutiques. Mais t'as pas passé le bon bounty, mec. Ce soir, t'es dead. Écoute ça. Le Warlord, pour toi et toi. I come to kill boy, assassinate and to destroy. I made a certain guys that we enjoy. None of mercy, boy, you're dead inside. T'es pas? T'entends, t'es pas? Boy, at the same time, boy, me so alive blind. Ready, so this me now go speak me mine. A guy see the sign, and I act like him blind. You're this bad man with weapon like this. Le Warlord Boutiquia, obligé de jouer en clash. Et on va accélérer tranquillement le mouvement pour te mettre à l'amende. Et ouais, parce que tu peux pas venir tester le Rough Lion. Et on big up tous les gens qui sont présents sur Clash Olympia, sur Party Time. Clash Time. Three, four of them a come and say them can't test we. Five, six of them a come and say them can't test we. And any entertainer can't come spot. Cause we flash it in all kinds of different styles. Them can't test we, no, them can't test we. Non, man, tu peux pas venir tester. Et franchement, t'es pas à ta place. Je retournerai dans mon canapé, j'arrêterai de jouer. Et tu devrais me laisser continuer. Tout seul. Introducing the wise man, Johnny Osborne. Step up, Miss Osborne. I make a fire burn. Badness. Move up and give me some way. Move up and give me some way. And let the champion play. Let the champion play. Let the champion play. Let the champion play. Move up and give me some way. Alors, et tu te demandais où them qui j'étais? Et bah tout simplement, écoute bien. Je suis le winner. Écoute ça bien. The last one, come on and him the Tampere. Which part them placing down at Calvary? We gonna lay down that old man down in the cemetery. I and all his family, they gonna get shot, killed and buried. We gonna lay down that old man down in the cemetery. And you study my sound no more. Yeah, man, my son champion sound. My sound is the best. Rough and tough, yeah, Tony Tuff pour toi et toi. Lord, we better than the rest. Écoute ça bien. Hey. Soundboy, 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 soundboy. My son a the sound, come nice up your dance hall. Je dis, on vient mener la danse ce soir.
Soundboy, 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 soundboy. My son had the sound to come nice up the dance hall. Why? Why make you want come test my sound? Why make you want come test my sound? My sound will make you fall down and lick your belly pan tambourine. Eh ouais, man, tu peux pas venir tester. Écoute ça bien. Soundboy. Funny général pour toi et toi. I make a big mistake, man. Hear this. Et je suis pas venir jouer des faux tunes. Vous savez, juste de la chat. Moi, c'est les disques qui parlent. Écoute bien les paroles. C'est chaud. Eh, je l'ai goumé l'autre, hein. Je l'ai mis par terre. Voilà. Hein, là, je big up toute la famille Party Time. Brassé, on est là. Non, je veux pas ça, ça m'a. Ils sont chauds, là. Ah, ils sont chauds, les frères. Larry, il est chaud. Eh, hey, couche-toi. Eh, hey, hey, je vais te goumer, par terre. Oula. Eh, si vous des Vanzo, faut me contacter. bra. Don't bother guiding star. Big up yourself, my brother. Basco Show, big up yourself. Rough Lion, yeah, big up yourself. Big up. On a eu deux rondes techniques. Ouais, franchement, c'est technique. Les gars, vous êtes. Franchement, là, on est dans la science du clash. Il y en a plein, ils comprennent rien dans le chat. Oui. Il y en a plein, ils sont perdus. Ouais. Il y en a plein, ils font du reggae depuis 10 ans dans le chat. Et ils n'ont rien compris aux sets qu'ils ont fait. Ouais. Hein? D'accord? Big ok, je vais pas nommer des noms. Non, on dit rien. On dit rien. Voilà. Par exemple, Edwin, il a rien compris. Hey, ouais. Je vais pas dire des noms, mais il y en a certains d'entre vous, ça suffit. Hey, tu t'as pas l'impression que tu prends tout le reste là. Hey, big up Guiding Star, big up Nel, big up Jacob, big up Elodem. Hey, y a pas de big up Guiding Star, big up Ride Vibes, big up Ride Vibes. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez un top feeder? Ah! Tune. Hot topic. Sans skipping. On veut voir un gagnant, on veut voir quelqu'un qui meurt. Ah, il est là. Alors, merci pour ces deux rounds. Moi, j'avais l'impression, et je te jure, le deuxième round, j'avais l'impression que c'était le premier. Préface. Et le premier round, j'avais l'impression que c'était le troisième. Voilà. C'est ce qui arrive quand t'es bourré le dimanche. Merci à voilà, vous tous d'être là. Hey, Rico Mio, just big up yourself. Lord Jamaican, just big up yourself. Poupanalini, just big up yourself. Neil Penali, just big up yourself. Hey! Attends, j'ai perdu une traque. Attends. Yann Bou, you just big up yourself. Nico Kalalu, you just big up yourself. Dobrinja, you just big up yourself. Julie, you just big up yourself. The Revival, you just big up yourself. Come here, everybody. Come here. Favori. Dégage. I'm my time now. Tune for tune. Ready, beat. Allez, 5 tunes chacun, les gars. Alors, vous avez compris, Rough Lion a eu des petits problèmes techniques. Il ne faut pas lui en tenir compte parce que la technique, c'est la technique et la prestation du Selecta, c'est la prestation. Tune, non. Play the tune, tune. No, it's not blood that time. Tune, tune, 5 tune it. Yes. C'est bon? Ok, so, Rough Lion, Tu parlais de la Réunion. Avant tout, merci pour le Sega. Franchement, j'ai apprécié. Un petit Sega, même en clash, franchement, toujours bon à prendre. So, par contre, tu dis que tu connais pas Basse Culture, que tu n'as pas entendu parler. Je te propose un truc, c'est de contacter tous les artistes là que tu as big up de la Réunion et demande-leur à eux qui te parlent de Basse Culture. Ils feront beaucoup mieux que moi. So, apparemment, alors tu me disais que tu étais dans un bar. Alors, ok, tu es dans un bar, une salle de cinéma, je sais pas trop. En tout cas, c'est le Tune Fit Tune. C'est l'heure des règlements de compte. Le sang va couler. This is our work again. No, ça se passe pas au cinéma. Reality. Ça se passe en bas de chez toi, en bas de chez moi. Aya tune. So le sang coule, écoute-moi. Ça se passe pas au stade et dans une salle de cinéma. Ça se passe en bas de chez toi. Azrock qui te dit ça, mon pote? Ouais. Bien Azrock, mais c'était pas le bon tune à jouer. So, je sais que tu kiffes le roots, Tepaz. Donc je vais aller sur ton terrain. Mais je vais t'expliquer que tu peux pas passer au tour suivant. Parce que seuls les gens qui sont strong, seuls les sons qui sont forts peuvent aller au tour suivant. Et c'est le cas du Rough Lion. Écoute bien les Silvertones. Yeah.
got time, yeah. Oh, yeah, man. Yes, I am. Ouais, tu m'as fait bouger la tête, c'est vrai. C'est vrai. So, par contre, ce que j'espère, tu sais, il y a encore quelques tunes avant la fin. Lâche rien jusqu'au bout, parce que là, nous, on va venir de plus en plus blindés, you know. Jusqu'à la fin, faut pas lâcher l'affaire. Nous, c'est ce qu'on a toujours mis en avant. On connaît l'histoire, elle se répète. Écoute. Nothing ever done before the time. You think you to lost your mind. Malgré toutes les bêtises que t'as pu faire, les conneries que t'as pu dire, nothing ever done before the time. Nothing ever done before the time. Quelle bêtise. La seule bêtise qu'il y a eu aujourd'hui, c'est que tu viens de clasher. T'aurais jamais dû. Parce qu'aujourd'hui, j'ai sorti les docs. J'ai mis le petit Ben Sherman, j'ai égalisé ma coupe de cheveux. Parce que le mec qui a le crâne rasé en face de toi, il est là pour te tabasser. Écoute ça bien, oldies but goodies, je suis là pour te tabasser. Regarde bien, écoute. Eh ouais, parce qu'on joue tous les styles. What? Tranquillement. Écoute ça bien massive. Boom tune, skinhead reggae. Tranquillement. Skinhead apache them. Eh ouais, le skinhead il est là pour te tabasser. Cha. So je te le dis gentiment, tu, en plus t'as vu j'emploie le terme de bêtise. Putain mec, t'as fait un playback tune quoi. Le général Lévy il a été joué, tu vois, je reviens pas dessus. Mais c'est quand même une connerie mon pote. Je veux dire, t'as pas assez d'humilité, Ruff Lion. T'as pas assez d'humilité, you know? Écoute. Un petit message pour toi. In war, I've got to say to you. Old King Cole was a merry old soul. A merry old soul was he. C'est ta vanité qui te perdra. Lost all his gold and now he's crying to see. Don't put it just vanity, for it will let you down. Don't put it just in vanity, for you'll be on the ground. Eh oui. Eh mec, si tu confonds les Général Lévy, c'est ton problème. Moi, je sais que c'est pas celui-là que t'as joué. Tu réécouteras ton clash parce que je l'ai réécouté longuement pour savoir comment tu jouais. Et c'est pas toi qui vas m'arrêter. Personne du Bass Culture 100 n'est capable de m'arrêter. Tu joues Studio One, écoute Studio One façon Ruff Lion. Je te le dis, tu pourras pas venir m'arrêter aujourd'hui. Non, l'homme porte le nom de Willie Williams. Tout en douceur pour te tuer. Et on va aller en finale. No one gonna stop us. I'm the man to run. Non, ben, c'est pas avec ce tune non plus que tu m'as convaincu, Ruff Lion. Franchement, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'une fois de plus, t'as pas su répondre à l'appel, you know. T'as pas su répondre présent. Alors que ça, nous, ça fait long time qu'on est là, you know. Dis-leur, daddy. So, j'ai pas bien compris le lyric, ça craquait un petit peu trop, tu vois, ça craquait un petit peu trop. Mais ça doit être un collector, soit. Alors, je t'ai joué Willie Williams pour te dire que personne m'arrêterait et certainement pas toi. Et tu sais pourquoi? Parce que là, on arrive à la fin du clash très prochainement. Et il y a un son qui va sortir dans les urnes, dans le vote, c'est le Ruff Lion. Il sera marqué winner. Écoute, Willie Williams, une deuxième fois pour toi. Parce que c'est Ruff Lion qui est le son de winner. Tu peux pas venir bluffer les gens. Tu peux pas. Tu as cru. Mais tu t'es trompé, fallait pas y croire. So,
Non, je suis étonné que tu connaissais. C'est vrai que le disque précédent grésille pas mal. Comme tu disais, c'était un collector. Mais putain, les lyrics, c'est un classique de Daddy Yuraï, mon pote. Même si là, ça grésille, tu devrais connaître ça. C'est la base, quoi. So, last tune, tu m'as pas convaincu, mon pote. Donc j'en tire une conclusion. Que malgré tous tes efforts, you never will come. Tu connais la suite. Yeah mec, yeah mec. Alors tu viens jouer le Try You Can't Conquer Me d'Elroy Wilson. C'est pas face au Rough Lion que tu aurais dû jouer, c'est peut-être face à Conquering si t'étais allé en finale. Mais t'iras pas en finale. Et il faut que tu me donnes l'adresse là où il y aura ta pierre tombale, parce que j'ai pour toi un petit maroilles. Tu vois, il est emballé, il est prêt à partir par la poste, parce qu'ici, on mange pas des gaufres. Ici, c'est la maroilles badness. On mange pas des gaufres, on est rough, on est tough. Tu m'enverras ton adresse, tu récupéreras le maroilles, parce que là, on va te dire au revoir. On va te dire au revoir. Hey, tout le monde chez lui, tout le monde chez lui, on dit au revoir à Selecta Tepaz. Byron Lee and the Dragonair. What? We gonna do and say bye bye. What you gonna do and say bye bye? Yes, Maya. Ah oh, la 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 la. This clash is a hot topic clash. Demi-finale, 45 to kill. Ah. Huh? Qui va aller en finale? Qui va aller en finale? Qui va en finale? C'est pas toi déjà, c'est sûr. Non, c'est soit Snow White. Déjà bouche, c'est mon show. Qu'est-ce que tu fais la bouche? On va demander les votes. Les votes? C'est l'heure du vote. C'est l'heure de voter! Il ne s'agit pas de voter pour Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de voter pour Jean-Michel Trogneux. Il s'agit de voter pour Bas Colcha ou Rough Lion. Qui a gagné ce qui a gagné? Rough Lion. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat pour voter? Je veux voir des tous Sevens Clash. Si vous avez vraiment écouté ce clash de manière assidue et attentivement, tapez des tous Sevens Clash. Il était technique ce clash. Hein. Il était très technique. Technique. Pour moi, c'est vraiment très proche. L'un de l'autre, c'est difficile à départager. Difficile à départager, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Allez, la pop-up window vient d'apparaître. Je vous propose à tous de voter, vous le savez. Voilà. Bim, bim, bim. Ballot, il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas ses papiers. Ouais, voilà. Big up party time, anytime, chica match anytime, the whole family. Voilà, je vois des two sevens clash, tout le monde participe. C'est les clashs. Faut voter. Qui a gagné? Allez, qui voter a gagné, les gars. Savoir qui a gagné. Jeremy, just big up yourself. Big up, Fabrice, you just big up yourself. Big up Rough Lion. G positive, you just big up yourself. Vince from the Brittany, you just big up yourself. Thomas, you just big up yourself. In Indy, you just big up yourself. In Christophe, you just big up yourself. Mr. Aya, you just big up yourself. Jean Foupartout, you just big up yourself. Baba, et Jean Foupartout. Baba! Il est où, Baba? Big up David Chappelle. Alors, la belle référence. Voilà. Merci à toi, Balo, pour ta vibe, son énergie, ta culture. Même si je suis fan de Ridey Vibes. Ouais, j'aime bien Ridey Vibes. Moi aussi, j'aime bien. J'ai big up les frères. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je préfère Ridey Vibes à Gangnam Style. C'est ça que je veux dire. Mais j'en ai rien à foutre de ce que tu préfères, bâtard. Moi, je préfère Guiding Star. Mais big up Ridey Vibes quand même. C'est comme ça, hein, la vie. Hey, voilà, ça va ou pas? Il faudrait faire une fusion. Ridey Guiding Star Vibes. Allez, qui a voté? Ceux qui ont voté, ils disent à voter. À voter. Ridey Star. Tu vois, ça c'était pas mal comme ça. Ride the Star. Ouais, Ride the Star. Ah ouais, grave. Ouais, tu rides l'étoile, quoi. Tu rides l'étoile. Ouais, en mode. C'est un concept. C'est un concept. C'est un futuriste. Bah, voilà. Moi, pour Counteract, je vais faire Ride the Comet. Bah, tu... Dégage, déjà, c'est mon jeu, dégage. Putain, qu'est-ce que casse-toi. Tu prends toute ta place. Casse-toi. Appelle la police. Je vais le bouger. Oh, cette ambiance. Bon, ça vote ou pas? Ça vote. On a eu un clash de Mongols. À voter. Tu sais qu'après, on aura King Selecta versus Conquering. Ah, ça va être beau. Ça. Et là, j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes 163 sur ce chat et j'ai quelque chose à vous confier. Vous savez que le samedi 5 février, on aura l'Original Shaman qui
qui a clashé Jawed l'année dernière. Les deux sont présents au même endroit et il va devoir remettre son titre en jeu. Ouais. Et ce coup-ci, on vous prépare quelque chose de vraiment spécial. C'est l'heure des annonces. Moi, je fais une annonce. Vas-y. Le 15 janvier, c'est mon birthday bash. Il y aura King Junior Sound. Bam, bam, avec Original Latitoni. Il y aura Legal Shot. Alors, attends. General Polak. Attends, est-ce que je peux reprendre? C'est un truc de fou. Ça, c'est un samedi. Samedi 15 janvier. Party time, clash logique. 22h à 0h. L'original Don Ballo birthday bash. Avec l'original King Junior Sound. Bam. Versus Legal Shot. Versus Guiding Star. Vas-y, versus. On s'amuse. On va pas se faire chier. Bah oui, on va s'amuser. De toute façon, j'ai foutu la merde. En tout cas, il va y avoir du doublet qui va être dégagé. Hein. C'est sûr et certain. Ah ouais, ça va. Et le samedi 5 février, on a Shaman versus 3RD Clan. Ouais. Mais et le dimanche 6. Le 16, on a le deuxième. Ah ouais, alors oui. Il y a trop de trucs à faire. Ouais. Clashologie, loaded! 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 On envoie. Il y a du monde dans c'est la gratuit, place. Tout ça. Janine, big up yourself. Le 12, live, tous les ch'tis. Big up yourself. The Fred Jess, big up yourself. Olivier Jazz big up yourself. Tony se passe quand il Jazz big up yourself. Daniel Jazz big up yourself. Everybody Jazz big up yourself. Bam 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 bam. Ça fait plaisir, t'as vu dans cette société de merde là. Ouais, alors, c'est hein? On a l'impression que Covid ça va rester jusqu'à 2044. Comme toi. Ah, tu crois? Ouais, peut-être plus toi. Ah, j'espère. Tu resteras après le Covid, je pense. C'est vrai. Bah, Mister merci War. Voilà. Le Covid, c'est moi. J'ai pollué Internet. Tout le monde. Et c'est vrai, hein. Il y a des petits bifs là dans le reggae music, il y a un peu des bifs. Il n'y a pas de bifs. Non, il y a des bifs. Ouais, depuis l'affaire sous le stéréo, il y a des bifs. Ouais. Non, bah, on va savoir. Allez, chacun fait ce qu'il veut, voilà, veut voilà. Avec sa queue. C'est pas moi, c'est ton choix. Tu l'envoies à qui tu veux, mon gars. Chacun fait... Non, mais c'est pas mal. Hein. Bon, en tout cas, j'ai entendu. Hey, il y a des 45 tours, frère. Mmh. Eh hey les gars, Rough Lion, Bass Culture, big up. Je sais pas où vous allez chercher ces 45 tours. Moi, j'ai fait toutes les brocantes. Ah ouais, des trucs deep. Hein. J'ai jamais trouvé des 45 pareils. Ah, ils sont allés creuser. Hein. Ils ont fait non, il y a des trucs. Hein. Ah, ils ont trouvé dans le terrain. Il y avait un terrain. Ouais. Marseille versus Lille. Ouais. Alors attendez, avant de vous donner les résultats, parce qu'on va avoir les résultats, vous savez, c'est la demi-finale. Le son qui va gagner ce clash aujourd'hui, Hot Topic, il est qualifié pour la finale des 45 to kill. Ouais. Et ça, ce sera le dimanche 6 février. Exactement. Et le samedi 16, je crois que c'est ça, non? Samedi 16, il y a la deuxième... La deuxième demi-finale. Voilà, samedi 16. King Selecta, Conquering. Voilà. C'est-à-dire que le week-end prochain, c'est un week-end chargé, en fait. Ouais. Vous soyez connectés, quoi. C'est l'heure de la connexion. Exactement. Bim, bim, bim. Voilà, Macron, il a dit, on n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit... Ah, voilà, Conquering, King Selecta. Big up. Le 16 janvier 2022, 15h, 17h, vous savez, Clashology Party Time. Comme d'habitude. Every time. Yeah! Ah, ça va être patate. Ouais. Pendant qu'on n'est pas à la caméra, je peux te goumer, patate. Vas-y, dégage, les gars, bouge, c'est bon, quoi. Clashologie en place. Pourquoi on est là, tu vois. Regarde le pied, guette le pied. Je vais couper le pied, le gars. J'ai essayé de mettre un kick, mais je ne suis pas assez souple. Hey, les gars! Bass Culture, big up yourself. Wicked Combat. Rough Lion, merci beaucoup. Ah, big up. Vous êtes investi dans cette compétition. Merci à Flo Cabo de l'avoir organisé. Merci à tous. On sait que le moment est crucial, mais j'aimerais vous dire déjà, peu importe qui gagne, j'aimerais vous dire big up, les gars. Vous avez déjà énormément gagné. Ouais, ils sont déjà. Et ce que vous avez créé aujourd'hui, ce que vous faites avec ces 45 to kill, maintenant, on est contacté par des big sons qui sont intéressés par cette compétition parce que vous êtes investi dedans. Absolument. Exactement. Absolument. Et ça fait plaisir. Donc, no respect. On va, alors, on me dit dans l'oreillette. Qui a gagné? Les gaufres ou le maroilles? Rough Lion 62%, 80 votes. Et l'original Bass Culture qui s'en tire avec 38% et 50 votes. C'est assez équilibré hein, dans les votes. C'est plus tight que d'habitude. C'est plus serré que d'habitude, effectivement. Ouais, ils sont contents. Donc, big up Rough Lion, qui est qualifié pour la finale des 45 to kill. Saison 2021-2022. Je te remercie beaucoup, Bass Culture. Voilà. Merci à tout le team. Alors, je vais laisser la parole à Bass Culture. Félicitations, Rough Lion. Maintenant que les masques sont tombés, je peux le dire, franchement. Je savais que j'avais du lourd en face et voilà quoi. Après, tu le sais, on apprend dans la défaite, donc il n'y a aucun souci. Et,
Je te souhaite une bonne continuation. Merci à Clashology de nous avoir fait confiance. Big on up, a passé bro. Un bon moment yeah. avec les amis, nice. Avec vous, avec Génial. Les gens qu'on a rencontrés. Et encore une fois, continuez à promotionner ça, les gars, parce que l'amour du vinyle, ça fait partie de la promotion du reggae aussi. Et je pense que. Exactement. Il y a des gens qui font ça avec le cœur, et c'est là qu'il faut aller chercher la force pour continuer. So, long time pour Clashology. Encore une fois, je big up mon adversaire. Le Sega, il m'a tué. Le Sega, il m'a tué. Je vais te dire la vérité, Grégory, je l'ai dans la box, j'y ai même pas pensé. Donc, tu vois, neuf respect. Tu vois. Donc, mettre la réunion en avant, c'est cool. Et voilà, bonne continuation à tous. Et puis, voilà. Alors, Pascocha, je voudrais te dire un truc. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, frère. C'est que quand tu as tiré la pièce, tu as décidé de jouer. En premier, et je voudrais te féliciter pour ça. C'est une preuve. Les sons doivent s'engager comme ça, ils doivent se faire confiance. Tu as fait une excellente prestation. Tu m'as impressionné. Je te connaissais pas du tout, et franchement, je t'ai découvert. Et j'ai hâte d'en voir plus. Donc, je te remercie beaucoup. C'était wicked. J'invite tous les publics de Clashology à supporter Bass Culture, à envoyer des vibes. Bien. C'est un son dont on a besoin avec de la culture. Alors, là, un énorme big up à Ruff Lion. Big up, merci à toute la famille. Ça, c'est toute la Marwal Badness Family. Les gars sont en finale. Voilà, on avait. En fait, c'était un clash aussi un petit peu culinaire français, les gaufres contre le Marwal. Alors, en big up. Alors attends, on a un petit bug. On a de l'air, etc. Pas de salam alek. Mais franchement, je suis surpris et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'avais vu ton premier clash et je me suis dit, c'est tout mou. Et là, ça a envoyé du steak. Franchement, ça a envoyé du steak. Et neuf respect, c'est l'état des bases. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'art du clash. En vérité, ces compétitions de 45 to kill, elles sont extrêmement importantes à la fois pour la culture clash et pour Clashology. C'est quelque chose dont on est vraiment fier. C'est quelque chose qu'on souhaite continuer de promotionner et de faire. Et peut-être même bientôt sur scène en live. Mmh. Et on lâchera jamais ces 45 to kill parce que le 45 tours, le vinyle, c'est l'essence même de cette culture. C'est le substrat sur lequel tout est né. Et on se doit de représenter ça. Vous avez une super collection, les gars. Rolf Lion, t'es qualifié pour cette finale. Je sais pas qui tu vas rencontrer de King Selecta ou Conquering. Ouais. Ça, on le saura le samedi 16 janvier. Ça va être hot! Et le 15 janvier, vous le savez, vous avez l'original Birthday Bash de Don Ballo avec Legal Shot, Junior Sound et Guiding Star. Et le 5 février, vous avez l'original 3RD Clan versus Shaman. Les deux sont présents au même endroit. Shaman remet son titre en jeu. Voilà, et le dimanche 6 février, on aura cette fameuse finale des 45 to kill. Clashology on top, Party Time on top, Don Ballo on top, Polak on top. Merci à vous tous, enough respect, enough love. See you soon. Enough respect. Respect.